on voit l'usine là, c'est la taf, hein. Mais mon sujet, c'est de bien sentir ce qui se passe, d'apporter le soutien du gouvernement, mais ça ne suffit pas. Et, hein, ce qu'il faut, c'est savoir si ensemble, on arrive à remonter. Je constate que dossier après dossier, vous voyez le président, vous voyez avec les délégataires là, hein, sur l'eau, ce qu'ils font. Je veux voir le président de la Chambre de commerce ce soir à l'aéroport pour lui dire sur les entreprises, il y a des choses à faire. Sur l'économie, puisqu'on est là sur une entreprise, hein, Pierre Agricole, mais c'est une entreprise, on dépend de la CCI. Mon idée, c'est président, enfin, la Chambre de commerce. L'État doit faire une fiche précise sur ce à quoi a droit chacun. Hein. Et des procédures, ça existe. Des portes d'entrée, hein. Il ne faut pas dire ça ne marche pas. Ah, ça marche, il faut bien s'organiser. Je considère qu'on n'est pas tout à fait organisé sur le soutien aux entreprises. C'est clair, je le dis, on est quand même là juste, je veux dire, sidéré, hein, par ce qui est arrivé. Dans le temps, on le fait. Je crois qu'il y a les moyens de presser le DRCIP, l'État, la CCI. Je pense que la région, l'état d'âme à dire qu'ils font le job, hein, aussi, on va les solliciter. Il faut, sur le soutien aux entreprises, s'organiser. Sur l'agriculture, c'est plus simple, parce qu'il n'y a que deux mesures. Hein, il y a que deux mesures. Vous avez ce qu'on a dit sur le plan des catastrophes agricoles, là, des calamités agricoles. Et puis vous avez sur la banane le fait qu'on va prolonger, comment s'appelle ça, le POSEI pour les agriculteurs bananes, comme s'ils avaient eu la même production que l'année dernière. Donc ils ne perdront rien. Donc ça, on va aussi sur le même topo, c'est ce que j'ai vu avec le préfet, qui fâche un peu, hein, pour faire un papier clair pour des chefs d'entreprise comme lui, comme madame qui est là. Petite entreprise, hein, qui fait du chocolat, une chocolaterie, il faut qu'ils sachent où aller. Je pense que les moyens sont là. On a encore, mais c'est pas inacceptable parce que la cata, elle était tellement énorme, hein, il y a 5 jours, ouais, 5 jours, que voilà, je comprends bien qu'on est pressé. Mais de faire les choses. Au-delà de cette volonté de faire les choses, il y a aussi, ça peut peut-être pas plaire à tout le monde, un domaine qui revient régulièrement, c'est celui de l'anticipation, celui de la prévention, celui de la culture.